C'est Marie-Claude. Marie-Claude, enchantée Marie-Claude. Alors donc, comment ça se passe le tour 2023 selon vous? Alors le tour 2023, bon ben on attend, hein. Aujourd'hui ce n'est que la première étape. Bon, l'arrivée est imminente. Je sais que le Madiba Bike a pour le moment deux coureurs en tête, hein, puisque c'est le team GDMAT Martinique. Nous avons deux coureurs en tête, Florian Saint-Louis et Michel Cadéman. Ils sont dans le poteau de tête. Bon, on attend l'arrivée et puis on verra. Bon, on gagnera puisque c'est quand même un gros peloton. Il y a 14 coureurs apparemment. Voilà. Et il faut dire que le Madiba Bike, c'est un club qui a pas mal de coureurs vraiment au talent. Ils ont eu pas mal de bons résultats. Donc, alors, là, donc, ils sont encore là. Donc, comment on voit, est-ce que ça. Ils sont toujours en tête, plutôt prêts à former des jeunes, et comment ça se fait? Oui, absolument, il ne faut pas oublier que nous sommes quand même le premier club de France en matière de formation. Hein. Nous sommes tous les premiers clubs formateurs. Et nous avons deux chefs de file qui feront les JO, Paris 2024, avec Melvin Landerneau et Emmanuel Courbin, qui essayent de gagner des places pour participer également au championnat. Pour ce qui est de notre club, sur le plan local aussi, nous sommes un club formateur, avec la plupart des coureurs qui font partie de l'équipe actuellement, qui ont été formés au club, hein, comme Néron, Laurent Néron, qui est un jeune du club, et qui avait arrêté pendant près de 3 ans, et qui a rechaussé, qui est remonté à vélo depuis cette année, et qui a obtenu de bons résultats. Nous avons Florian Saint-Louis, pas l'oublier non plus, qui a remporté le Tour Junior il y a quelques années et après pareil 2 ans, ben, aujourd'hui on voit le résultat. Donc il y a encore beaucoup de jeunes. Nous avons en ce moment un jeune également sur la sélection cadet et qui participe au Tour cadet de la Guadeloupe. Voilà. Et comment ça se passe pour décider les joueurs qui vont participer au Tour de la Martinique? Alors nous avons un directeur sportif, hein, à la personne de Rodrigo Gondas. C'est vrai que notre club a eu l'avantage de partir en Guadeloupe pendant 15 jours avec un certain nombre de coureurs. Et au vu de leur résultat, de leur forme, bon, la sélection a été faite pour la participation sur le team GDMAT Martinique. Nous avons deux autres coureurs qui courent avec le team Boulogne-Berdy, l'équipe de Fête. C'est vrai que le nombre de coureurs de Lyon ne nous permettait pas d'avoir plus d'équipe. Non, pas du tout, on ne parle pas de victoire, on parle plus d'état de forme des coureurs. Hein. Il y a des performances, il y a des appareils, bon, c'est l'état physique, il y a non seulement l'état physique, mais il y a également l'état mental du coureur. Hein. Un tour, c'est quand même pratiquement 9 jours. Il faut être bien dans ses jambes et bien dans sa tête. Voilà, surtout, et c'est important. Allez, madame. Oui, Marie-Claude, oui. Je vous en prie, à bientôt. Enchanté et bon courage à vous pour le reste de la compétition. Bonne journée, au revoir.